Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Mugnier qui est le cofondateur de Faguo, une entreprise fondée en 2009 qui proposait à l'origine surtout des chaussures trendy, mais qui aujourd'hui propose de nombreux autres produits, des t-shirts, des sacs et ainsi de suite. Je trouvais intéressant de pouvoir l'accueillir aujourd'hui puisque c'est une entreprise qui se veut responsable, puisque pour chaque article qui va être vendu, un arbre va être planté. Donc je trouvais intéressant de pouvoir non seulement parler de cette entreprise, on est actuellement en plein Covid, donc aussi cette difficulté, cette nécessité d'adaptation, et puis ce parcours d'entrepreneur aussi qui est riche depuis déjà plusieurs années. Donc avant toute chose, Fred, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Bah, merci Jacques, merci de m'inviter et je suis très heureux de représenter Faguo dans Business Act et voilà, et je suis très heureux d'être avec vous pendant une petite demi-heure tous ensemble. Merci à toi. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as eu cette idée? Pourquoi partir sur la chaussure? Tu étais à la sortie de tes études, il me semble, tu t'es dit ok, si je pouvais trouver une entreprise, pourquoi la chaussure? J'étais même pas à la sortie de mes études, j'étais en plein milieu de mes études. Au début du projet, on avait une vingtaine d'années avec mon associé Nicolas et en fait, 21 ans exactement, parce qu'on a monté la boîte à 22 ans. Et en fait, on était tous les deux consommateurs de mode, etc. Et on se disait, putain, il n'y a pas de marque qui nous corresponde en étant engagé. Et je pense que notre génération a cette faculté à être directement engagé, quoi. En fait, il y a moins de débats que dans les générations précédentes, on va dire. Et voilà, et on s'est dit, attends, pourquoi on a tous les mêmes paires de godasses aux pieds? Vas-y, viens, on se lance, on lance une paire de chaussures et accessible aussi en prix parce qu'on n'avait pas masse d'argent et du coup, c'était important que ça reste un prix accessible. Donc, c'est ça l'équation qui nous a un peu amené à se dire, tiens, sur les bancs de l'école, puis au départ, on travaille ça un peu comme un projet, tiens, on en discute autour de bière, et puis petit à petit, ça prend forme et puis on implique, on en parle à plein de gens et du coup, petit à petit, ça prend forme, on fait les premiers dessins, les premières esquisses, etc. Ok. Et dès le début, cette volonté d'être responsable en termes d'entreprise? Ouais, exactement. Parce qu'en fait, on est la première entreprise, je le disais, je pense que dans nos gènes, un peu, dans notre génération, on a plus trop le choix. Et après, on a été la première entreprise de France à faire notre bilan carbone prévisionnel. C'est-à-dire, on présentait aux banquiers à la fois notre business plan et à la fois notre bilan carbone prévisionnel. Donc, ce qu'on allait, si on lançait notre entreprise, polluer, quoi. Avec cette volonté au départ un petit peu, et c'est ça l'avantage de créer des boîtes jeunes, c'est qu'on est un petit peu innocent, un petit peu, on n'est pas encore avec des réflexes, on n'est pas trop formaté, quoi. Et du coup, on s'était dit, on va créer, notre origine, c'était on va créer la chaussure parfaite, quoi, qui fait du bien pour la planète, quoi. Et en fait, ce bilan carbone nous a montré qu'il y avait plein de choses et que tout n'était pas facile à changer, quoi, quand tu produit tes 5000 premières paires de baskets, d'aller demander à ton atelier de production de changer complètement son énergie alors que tu es le plus petit client de la… Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu… ou d'aller changer les matières, ou d'aller changer… Voilà. Et du coup, force de ce constat-là, c'est là où on a décidé de se dire, bon, ok, on sait qu'on pollue 9 kg de CO2 par produit, qu'on va produire dans le futur. On sait qu'on a des pistes d'amélioration, mais qu'on ne se voyait pas, où il fallait encore reporter d'un an le projet, qu'on travaillait déjà depuis un an, etc. On sait qu'on a des pistes d'amélioration qu'on va mettre en place, mais il faut bien qu'on compense les émissions de CO2 qu'on va réaliser, quoi. Et du coup, on s'est dit, comment on peut compenser les émissions de CO2? Et pour compenser les émissions de CO2, on avait trouvé deux manières de le faire, ou via les huîtres. Il faut savoir que les huîtres stockent beaucoup de CO2, on ne le sait pas beaucoup, mais voilà, ou via les arbres. Et en fait, en parlant un peu autour de nous, en cherchant, etc., en fait, les huîtres, déjà, ça avait ce côté un petit peu… un peu cher à l'époque, c'est moins en moins cher, je trouve, les huiles, mais ça avait ce côté un petit peu trop, on voulait pas devenir ostentatoire, quoi. Et du coup, les arbres, c'était un symbole et c'était aussi le côté rigolo, ça grandit, on le fait pas que pour l'environnement, on le fait aussi à la naissance d'un enfant, etc. C'est le début d'un projet et voilà, et on est parti sur les arbres, donc on plante des arbres en France et aujourd'hui, on est à plus d'un 1 700 000 arbres plantés en France, voilà, un peu partout sur le territoire. L'idée, c'est de rapprocher ça du consommateur. Excellent, tu me devances sur ma prochaine question, donc le nombre d'arbres maintenant on l'a. Et au niveau des autres indicateurs en termes de croissance, de développement, de chiffre d'affaires, d'employés? Alors moi j'aime bien prendre un tout petit peu de recul toujours sur les indicateurs, c'est que on a la chance, ou la malchance, je ne sais pas, l'avenir le dira, d'être une boîte avec une croissance régulière, mais relativement lente, puisqu'en fait, ça fait du coup une douzaine d'années qu'on développe Faguo avec Nicolas, toujours mon associé de départ. Et aujourd'hui, on devait faire 15. Bon, notre année Covid nous pousse à 12 millions et demi. Voilà. Mais on passe de 12 à 12 millions et demi. Voilà, on fait 7% de croissance. On est une centaine de collaborateurs, 1,7 million d'arbres plantés. On continue d'apprendre tous les jours. Et ça, c'est vraiment important pour nous de continuer et c'est peut-être notre chance, en fait, dans cette croissance qui fait qu'en 10 ans ou en 12 ans, on passe de 1 à 100 collaborateurs. C'est qu'on a eu le temps de passer d'étape en étape pour apprendre petit à petit et se dire qu'on découvre, on est passé par les métiers en général et voilà, et petit à petit on se perfectionne, on découvre, voilà, donc ça nous correspond bien en tout cas en termes de mindset et de se dire qu'on arrive à donner une place à chacun dans l'entreprise, à 100 collaborateurs, avec le next step, ce sera 200. Excellent. Ouais, donc finalement, malgré la Covid, des résultats qui arrivent quand même à se maintenir. Comment est-ce que justement vous avez réagi pendant cette période difficile? Enfin, on est toujours dedans d'ailleurs. Et comment est-ce que vous réagissez aussi par rapport à d'autres concurrents qui arrivent? Alors, premier concurrent, j'imagine Amazon. Il y a Vinted aussi qui est en train de bien se développer. Comment est-ce que ça se passe avec ces acteurs-là et comment est-ce que vous fonctionnez en ce moment, cette période compliquée? Waouh, ça fait beaucoup de questions en une, ouais. Ça. La première, ouais, bah, évidemment, la dimension, quoi, la Covid, comme tu dis, fait beaucoup de, ouais, un fort impact dans des sociétés comme les nôtres, qui fait avec des activités retail. On n'a pas trop parlé, mais on a différents canaux de distribution, dont un gros canal qui est le retail, et on vend aussi dans des magasins multimarques. Et inévitablement, ça a un énorme impact, et on est largement sauvé par l'État, parce que clairement. Sans l'État, et je trouve que les chefs d'entreprise, on a beau tous se plaindre qu'on n'en touche pas assez d'argent, etc. Mais sans l'État, on ne serait plus là, nous. Si on n'avait pas eu le chômage partiel pour aller payer, ou on aurait licencié la moitié de notre personnel. Je ne sais pas comment on aurait fait, mais voilà. Donc, on traverse la crise plutôt bien, plutôt sagement, plutôt sainement. On va rester rentable, etc. Mais merci l'État de nous avoir aidés à la fois avec la dimension PGE dans notre cas, donc l'emprunt. L'emprunt qui a été dédié aux entreprises, et à la fois avec la dimension chômage partiel, parce que quand on regarde, quand on a touché une certaine somme d'argent dans l'année, on est un peu waouh, sans ça, comment on aurait fait pour payer tout le monde? Et ça nous a permis du coup de compléter les salaires, etc. Donc ça, c'est peut-être la première partie de la question, c'est on traverse la crise plutôt bien. Évidemment, on prend un peu de retard de croissance, c'est pas grave, on arrive quand même à maintenir un résultat positif qui nous permet de continuer à aller au-devant et de continuer. Par exemple, on avait un planning de 10 ouvertures de boutiques pour l'année 2021 et qu'on va pouvoir maintenir, quoi. Que les banques vont nous suivre, etc. On est en train de rembourser tous nos PGE et d'échanger ça avec de la dette, grâce à la bonne santé. Et du coup, ça rejoint un peu les concurrents. Alors, dans ce que tu dis, il y a des concurrents qu'on aime beaucoup, nous, et il y a des concurrents qu'on aime moins. Nous, on veut le maximum de concurrents qui vont faire du bien pour la planète, qui vont dans la bonne direction. On pense qu'il y a une trajectoire à prendre. Quel que soit le niveau de départ, il faut prendre la bonne trajectoire. Et voilà. Et du coup, on préférera Vinted à Amazon, évidemment. Mais on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et à nous d'être les meilleurs et d'être toujours précurseurs, comme on a été la première entreprise à mission, la première entreprise de mode à mission, et de se dire que grâce à nos concurrents, on va toujours de l'avant. On est parti, on avait 30 ou 40% de matière recyclée dans nos produits. Aujourd'hui, on arrive à monter à 80% de nos collections sont faites au minimum à partir de 30% de matière recyclée. Donc, ça commence à devenir des vrais challenges. Il ne faut pas qu'on s'arrête là, quoi. On a un objectif à 2024 de 100%. Il faut qu'on arrive à le tenir, quoi, de nos produits et qu'on pose au moins à partir de matière recyclée. Voilà, donc ça c'est notre enjeu, de toujours diminuer nos émissions de CO2. Et par rapport aux concurrents, finalement, on est ravis. Je pense qu'on est sur un marché où il y a de la place pour tout le monde. Notre ambition n'est pas d'aller atomiser le marché et que tout le monde ne porte que du Faguo. Je ne pense pas que ce soit notre vision. C'est que les gens il y a une forme de liberté, quoi. Voilà. Si déjà on arrivait à prendre 1% du marché mondial, on serait content. Non, effectivement, comme tu dis... C'est vrai que c'est l'avantage d'être fondateur de boîte dans une société qui est sur un marché extrêmement grand. Vous savez, moi je dis toujours, il y a les gens qui se lancent sur des marchés où ils ont tout à créer le besoin, et puis il y a les gens qui se créent sur un marché énorme et on nous dit ouais, c'est super concurrentiel. Ouais mais le marché il est juste énorme, quoi. Ouais. Donc si je prends 0,01% même, je pense que je serais content. Ouais, c'est clair. Ouais, complètement, ouais. Ouais, donc à ce niveau-là, finalement, est-ce que le marché de l'occasion, c'est aussi quelque chose qui pourrait vous tenter? Est-ce que pour l'instant, vous souhaitez vraiment rester sur du neuf? Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de s'y mettre aussi. On le fait déjà, nous, le marché de l'occasion sur les produits Faguo, c'est-à-dire qu'on a dans toutes nos boutiques, on a un corner seconde main. Okay. Donc, demain, toi, si tu achètes une… alors que sur les produits Faguo, hein, mais si tu achètes une chemise chez Faguo et puis en fait, je sais pas, tu rentres, ta femme te dit « bah en fait, j'aime pas du tout ta chemise » et tu te dis « bah c'est con, en plus, j'ai plus le droit, je sais pas, j'ai pas le droit de l'échanger, j'ai perdu le ticket, je sais pas où. » Bon, même si aujourd'hui, c'est un peu numérisé, mais je ne sais pas pour quel motif tu as passé le délai des 60 jours pour le retourner et du coup, tu te retrouves avec ce produit que tu as mis que 3 fois… que tu es déjà con, quoi, que tu as déjà un peu usé, etc. Ben, nous, on est capable de te le racheter contre un bon d'achat dans nos boutiques. Et évidemment, on va le reproposer à la vente parce que notre but, évidemment, c'est de le revendre. Donc, on pense que clairement, il y a une vraie tendance de marché qui va aller vers ça et parce qu'il faut qu'on produise moins. Donc, il n'y a pas à retordre, il faut qu'on produise moins. Et quelles que soient nos méthodos, et c'est un peu le bilan il y a 12 ans, quand on s'est rendu compte qu'on voulait faire la chaussure qui n'émettait pas de CO2 et qu'à la fin, on arrivait à 9 kg de CO2 et qu'on était déprimé en disant « bah non, ok, on va progresser, on est passé à 6, on a un nouvel objectif à 4 qui doit arriver dans un mois normalement, j'espère qu'on va voir, on est en train de finaliser les calculs par pièce, voilà, mais on continue à émettre et notre objectif à terme, c'est d'arriver à se rapprocher de zéro. » Ok. Effectivement, ouais. Si jamais on prend en termes de rétrospective, alors du coup si on reprend sur l'histoire de Faguo, est-ce qu'on peut parler un peu des grandes échéances, des grandes dates clés et de la partie financement qui va avec? Ok. 2009, on crée Faguo avec, comme on n'avait pas d'argent, on avait 22 ans, on ne connaissait pas de business angel, on n'avait pas de gens fortunés autour de nous, on demande à 13 copains de mettre 1000 balles dans la boîte. Voilà, qui font financer et nous on va voir les banques évidemment. Au départ on va voir les banques en disant on a 500 €, est-ce que vous pouvez bien mettre 50 000 € et les banques bizarrement nous disent non. Avec du recul on comprend mieux le risque que ça pouvait comporter, etc. Et du coup Nicolas, mon associé et moi, on fait des emprunts étudiants, donc ça on le dira à personne. Bon, depuis ils ont été remboursés, hein. On rassure les banquiers, on a remboursé, donc on fait des emprunts étudiants parce qu'on a eu la chance que nos parents payent nos études et puis on va demander 15 000 € à 13 copains qui mettent un petit peu et qui prennent une 30% du capital, qu'on rachètera en 2012. Donc, on lance nos premières 5000 paires de chaussures, etc. C'est la folie. On s'amuse bien avec les réseaux sociaux où c'est le début, c'est facile, c'est agile, c'est pas très cher, etc. Et puis, on a aussi cette tendance à mieux manier la techno que peut-être des grandes marques à l'époque. Maintenant, tout le monde s'améliore et à nous de rester aussi dans le bain parce qu'évidemment, il y a 12 ans, il y a plein de choses nouvelles qui ont apparu. Voilà, en 2012, on sort nos petits porteurs parce qu'on veut faire rentrer un fonds un peu plus gros. On fait rentrer finalement un acteur industriel, voilà, qui est toujours là au capital à nos côtés, avec qui ça se passe très bien, qui nous accompagne, qui nous aide. Et en même temps, nous, on est curieux de découvrir plus gros que nous. Dans on est content qu'ils soient minoritaires quand même. Et c'est important qu'ils le restent parce que je pense que sinon, ça change un peu la donne. Et puis… donc ça, en 2015, on ouvre notre première boutique, Faguo à l'enseigne, dans le Marais. Entre-temps, on avait développé la gamme de… Donc, on avait commencé par la chaussure, on avait commencé à développer la gamme de bagagerie et de prêt-à-porter. Voilà, et pour arriver en 2020, où ce que je disais, on fait 12,5 millions, on a une trentaine de boutiques, une centaine de collaborateurs. On continue à apprendre tous les jours et à s'amuser tous les jours. Je pense que et tout en faisant vivre la même mission d'entreprise qui était à l'origine et qui maintenant, en plus, depuis 2020, est inscrite dans nos statuts puisqu'on est entreprise à mission. Oui, d'accord, ok. Ok, donc effectivement, beau parcours et comme tu disais, déjà plus de 10 ans d'entrepreneuriat. En 10 ans, qu'est-ce qu'on en retient? Quels sont les conseils clés que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer demain, qui hésite encore là pour l'instant? Alors lance-toi, le premier conseil c'est lance-toi, vas-y et fais-le le plus tôt possible, plus tu retarderas, plus ce sera difficile. Je dis toujours que nous on n'a pas été très courageux quand on a monté notre boîte, on avait 22 ans, on n'avait pas de charge, etc. Je pense, je vois les gens qui ont 35, 40, 45 ans monter des boîtes aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que évidemment quand il y a un crédit sur la baraque, les 2 enfants, etc. c'est toujours plus… difficile de se mettre en risque, alors qu'à 22 ans, il n'y a aucun, quoi. Ou à 24 ans, ou à 25 ans, c'est bien plus facile de se mettre en risque. Mmh. Voilà, donc est-ce qu'on a eu beaucoup de courage? Je ne sais pas. En tout cas, les conseils que je donnerais, c'est, et je pense que c'est une tendance de fond qui est en train de se réinstaller, c'est ne pensez pas lever de fonds obligatoirement, pensez chaîne de valeur, ayez une bonne chaîne de valeur, soyez agile, ayez une vision lointaine. Soyez raccord avec les partenaires avec lesquels vous allez vous associer, que ce soit des partenaires financiers ou des associés, parce que je trouve que c'est important et on voit beaucoup de d'associés qui en fait divergent sur bah, en fait moi c'était de faire de l'argent en 3 ans, bah, moi attends c'est de transmettre une boîte à mes petits enfants, bah, c'est pas la même chose, et du coup à un moment vous n'allez pas pouvoir vous entendre quoi. Donc je pense qu'il faut être raccord sur les objectifs, voilà, une chaîne de valeur propre, penser client, hein, parce que c'est important, et encore plus un peu dans la techno, les gars, parfois ça pense plus à ses clients, il faut aller écouter ses clients, écouter. Nous on avait fait des enquêtes pour dire à un de nos copains, moi c'était un peu, et à 22 ans c'était un peu sur des discussions avec des bières encore une fois, mais d'aller écouter, attends, t'attends quoi d'une paire de baskets, c'est quoi ton besoin, pourquoi t'as acheté celle-ci, pourquoi t'as pas acheté celle-ci, d'aller écouter les magasins qui revendent, d'aller écouter les fabricants, pourquoi tu, voilà, d'être curieux, et ça c'est presque une règle de vie plus qu'une règle d'entrepreneur, c'est de toujours être curieux, être intéressé par les choses. Voilà, chaîne de valeur, on en a parlé, savoir faire des pas en arrière, savoir être adin aussi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir être très gros très vite. Je pense que ça dépend des marchés, c'est vrai dans certains marchés SaaS, etc. Mais je pense que c'est un peu moins vrai dans le marché de la mode, ou dans le marché de la restauration. Je dis toujours, je me souviens d'un petit jeune qui était venu me voir en me disant, ah, tiens, je voudrais ouvrir un resto dans une super artère de 350 mètres carrés et tout. Et je lui dis, bah, on loue déjà un petit resto de 30 mètres carrés au mois d'août, dans un endroit moyen, vois si tu arrives à le remplir, vois si le métier te plaît, vois si tu arrives je suis sûr que tu vas trouver un resto à louer au mois d'août. Là, en plein Covid, en plus, c'est encore plus facile de louer des restos. Non, mais, et vois si tu arrives à le remplir, etc. Et puis derrière, tu pourras passer à l'étape supérieure. Et en fait, déjà, tu auras validé quelque chose avec toi-même, parce que c'est important de valider avec soi-même, et aussi auprès des investisseurs. Et je serais beaucoup plus enclin à te donner 10 000, 20 000, peu importe le montant, euros pour que tu ailles monter ton gros restaurant et que tu aies un effet de levier bancaire, etc. Voilà. Ouais. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis tu t'en parlais de la partie SaaS, de cette partie digitale, il y a de plus en plus de possibilités de pouvoir tester très rapidement. Alors c'est vrai en ligne, c'est vrai aussi sur les commerces plus physiques, c'est vraiment essayer de partir vraiment à petite échelle et puis progresser, scaler au fur et à mesure, quoi. C'est ça, c'est ça, progresser, scaler et essayer. Et puis en plus, quand on est petit, on peut essayer plein de choses. Plus on est gros, plus c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est un de nos défis d'aujourd'hui. Je vois peut-être une question d'après, mais c'est un de nos défis d'aujourd'hui de se dire, attends, merde, on est 100, on critiquait les grosses boîtes avant, et qu'est-ce qu'on est lent, quoi. Ouais. Et de faire descendre un message, parce qu'on a eu une discussion ce matin avec mon associé, et de se dire, attends, comment on fait descendre ce message avec les personnes indirectes, les 140 personnes indirectement impliquées, parce que dans la mission… on veut parler un peu plus de je sais pas quoi. Il faut expliquer ça à 140 000. Alors, je sais pas comment font les PDG qui parlent à 14 000 personnes. Ouais. Il y a encore plein de choses à apprendre, mais c'est un vrai enjeu. Voilà. Et donc, quand vous êtes tout petit, vous avez cette agilité d'aller très vite et donc à tester très vite, à changer. Ouais, ok. Bah justement, ouais, tu t'enchaînais parfaitement sur la question suivante, question défi. Donc effectivement, cette nécessité de communiquer à grande échelle, de pouvoir réussir à rester agile malgré la progression en taille. Quels sont les autres défis que tu vois à l'heure actuelle pour Faguo ? Bah, toujours respecter la mission avec cette complémentarité à la fois économique et mission d'entreprise. Donc engager notre génération contre le dérèglement climatique. Ça c'est à le faire toujours de mieux en mieux, à continuer à grimper l'escalier. Moi je dis toujours que c'est un escalier et qu'on grimpe marche par marche, qu'on n'est pas du tout en haut, on n'est pas du tout en haut de la montagne en mode on peut regarder tous les petits concurrents en disant c'est vraiment des nazes, et non, au contraire, c'est de se dire comment je monte toujours les 2-3 marches en plus pour aller servir au mieux ma mission, et à la fois économiquement, tout en faisant grandir, en faisant que chaque homme dans l'entreprise, chaque homme et chaque femme, homme avec un gros H, puisse s'épanouir le mieux possible. Et ça, c'est chouette. Et je pense que j'appréhende d'ailleurs pas mal, je disais ça dans une interview récemment, j'appréhende pas mal le moment où j'aurai moins de croissance. Parce que de faire épanouir les hommes, avec un grand H encore une fois, dans une société qui est toujours en croissance, finalement, c'est bien plus facile que dans une société qui a malheureusement est sur des paliers de croissance. Et nous, on a toujours une croissance assez douce. Donc, on a pu accompagner, c'était bien, ça a créé des opportunités internes, ça a fait grandir les équipes, donc on voyait du mouvement, etc., sans avoir ni de descente, ni de plateau, et du coup, sans mettre non plus dans des zones d'inconfort certaines personnes. Ouais, d'accord, ok. Voilà, et du coup, les défis qui nous attendent, pour y revenir, voilà, nous, on a un gros plan d'action, c'est 2024, 40 millions, aujourd'hui, on devait en faire 15, bon, on va en faire 17 en 2021, on est déjà mal parti sur le début d'année, mais c'est pas grave, peut-être qu'on en fera que 15, et l'essentiel, c'est de ne pas être en danger. Voilà, et d'arriver à 40 millions rapidement, de son collaborateur, de continuer à faire cohabiter mission et économique, et puis de continuer à apprendre et que chacun trouve sa place dans l'entreprise en étant le plus bienveillant possible et à la fois le plus exigeant possible aussi, parce que c'est important d'être challengé. Et nous-mêmes, on a besoin de s'auto-challenger et de voir un concurrent qui va un peu plus vite que toi sur un développement commercial, un développement de produits ou un développement de matières recyclées. Tu te dis, allez, c'est bien, ça te coupe dans le vif. Et nous, on fonctionne pas mal comme ça chez Faguo et encore une fois, de manière bienveillante. Et... Ouais. Ok, ouais, bah c'est vrai que les concurrents peuvent vraiment te tirer, c'est pas non seulement vu de façon négative, mais ça peut vraiment te permettre d'apprendre certaines choses complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué au cours de ces dernières années? Alors il y en a un qui m'a marqué très jeune, très tôt, c'est Service 2.0, comment il s'appelle le gars qui a écrit ça? C'est le gars qui a monté Columbus Café, voilà, et ouais, ça m'avait pas mal... marqué quand j'ai été, voilà, et maintenant je lis plutôt des livres sur par exemple les couleurs en management, etc., des livres de management qui m'aident à structurer un peu mon esprit. J'aime beaucoup le jeu des couleurs là, d'ailleurs qu'on va déployer dans toute notre boîte. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est une technique de management qui permet de mieux se connaître soi-même, de prendre du temps pour mieux se connaître soi-même avec des typologies de caractères où on est plus à l'écoute, plus dans la réflexion, au contraire plus dans l'expression ou plus dans le l'affectif. Bon, bref, c'est plein de... Pour se connaître soi-même, pour savoir quelle image on renvoie quand on manage. Parce que même quand on est dans la bienveillance, si vous savez, il faut comprendre ce que l'autre attend aussi dans la bienveillance. Je parlais de challenger, ça ne marche pas avec tout le monde, le challenging. Il y a des gens qui ont besoin, au contraire, d'être dans la confiance, d'être dans l'abandon, etc. Voilà, donc il y a plein de critères différents. Voilà, moi, j'adore ça. Ça me passionne parce que j'adore emmener des hommes et je pense que si j'avais une passion à transmettre, ce serait emmener des hommes dans des projets. Ouais, ok. D'un point de vue formation, est-ce que tu arrives toujours à prendre du temps pour pouvoir te former personnellement? Et si oui, comment est-ce que tu fais? Alors, et ça rejoint peut-être aussi la première partie de la question, c'est que je ne lis pas beaucoup parce que évidemment, on lit jamais suffisamment par rapport à ce qu'on voudrait. Et que, en plus, mon plaisir, c'est comment je me forme. En fait, c'est en échangeant avec les autres. Ça fait partie de moi, ma manière de fonctionner. Et d'autres, au contraire, ça va être d'être seul pendant une matinée en pleine forêt. Bah, moi, c'est en échangeant avec des autres. Donc, échanger avec des contemporains dans l'entrepreneuriat, mais aussi échanger avec le jour où tu discutes avec un copain qui, j'en sais rien, qui fait du droit public. Et ben, en fait, tu vas pouvoir t'inspirer de ce que lui vit, comment il vit son management en ce moment, etc. Pour toi, te dire, attends, mais merde, moi aussi, ce qu'il est en train de mal vivre, putain, parfois je le fais dans ma boîte, quoi. Et du coup, bah, c'est comme ça que moi j'apprends, et c'est mon côté assez opérationnel, assez dans le vrai, que j'aime développer, etc., et pas trop dans l'intellect, mais vachement dans le côté, en fait, de chaque petite discussion, je dis toujours, et du coup, mon apprentissage se fait par ma curiosité. Et de chaque discussion, demain, je suis sûr qu'on me fera un exposé sur les feuilles mortes au Canada. Je serai passionné et en fait, ça me ferait des échos dans mon travail au quotidien. Tiens, c'est vrai que les feuilles mortes, ça me créerait des images et voilà. Donc, malheureusement, on ne peut pas s'intéresser à tout et il faut aussi choisir ses sujets. Mais je trouve que c'est comme ça que j'apprends le mieux. Et après, on se force avec mon associé aussi à avoir chaque année une activité dans laquelle on est mentoré. Donc, on continue à se faire mentorer. Donc, pour dire, il y a des entrepreneurs qui sont au-dessus de nous. Évidemment, on essaie de rendre l'ascenseur en essayant d'aider d'autres entrepreneurs parce qu'on a été beaucoup aidés. Donc, ça, c'est vachement important pour nous d'aller essayer de rendre en partie. Voilà. Et on continue à se faire mentorer, par exemple. Là, cette année, on a choisi avec mon associé de rentrer dans un accélérateur de la BPI. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va nous prendre, je sais pas, une douzaine de journées dans l'année pour essayer d'aller s'auto-challenger, quoi. D'aller chercher le piquant, d'aller chercher et pas. C'est toujours difficile dans notre position d'entrepreneur. Je pense qu'on n'est pas des entrepreneurs à succès, on ne sera jamais des Jeff Bezos, etc. Mais d'aller se confronter, de se dire, je peux regarder derrière moi, me dire, ouais, c'est très bien ce que tu as fait, Fred. Et clairement, c'est vrai, on peut regarder derrière ça. Et se dire, comment je me challenge, comment je continue à avancer, comment je continue à essayer d'accélérer un peu dans mon escalier d'entrepreneur. De dire, attends, allez, vas-y, bouge-toi pour aller chercher les 3 marches du dessus, quoi. Ouais, ok, ouais, vraiment cet état d'esprit qui est effectivement hyper important et en même temps qui fait écho aussi à cette partie développement personnel. Alors effectivement sur cette logique de formation, d'échange, on peut apprendre finalement de tout à partir, enfin de tout et tout le monde à partir du moment où on s'est écouté. De ton côté, est-ce que tu as des conseils à donner en termes d'organisation, en termes de justement de progression personnelle? Est-ce que tu as mis en place certaines routines dans ton quotidien qui t'aident à progresser? Est-ce que par exemple tu te lèves tôt le matin? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as mis en place certaines routines? Je suis sidéré, j'ai l'impression que depuis 12 ans, je travaille à peu près le même nombre d'heures par jour et c'est assez raisonnable comme typologie d'horaire. Alors, il y a des périodes où on est un peu plus pris dans le cerveau, le soir vous rentrez, vous avez envie, vous y repensez encore, etc. Mais de manière générale, j'ai une stabilité dans ma quantité de travail et c'est dans mon efficacité. Et c'est ça le conseil que je donnerais, c'est réfléchissez à votre efficacité, réfléchissez pas à votre volume horaire, etc. Et j'y croyais pas il y a 12 ans. Ouais, le mec, il part à 18h tout rond, il y a des mecs qui partent à 18h. Quoi. Beaucoup de gens partent à 18h maintenant, parce qu'on peut en parler, mais on a déménagé notre siège social à Nantes. Beaucoup de gens partent à 18h, et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins efficaces en fait. Et c'est notre efficacité dans le travail, et se dire toujours, mais est-ce que j'ai été efficace? Attends, pourquoi j'ai commencé à faire ce call-là alors que j'aurais dû le renvoyer directement à un collaborateur? Et pourquoi, en écrivant ce mail-là, pourquoi à un moment, j'ai vrillé, je suis allé rouvrir une page LinkedIn pour vérifier si j'avais des messages, quoi. Non, mais c'est de cet ordre-là, hein. Je pense qu'on est tous pareils, et en plus, notre génération va avoir un sujet de concentration qui est assez problématique, quoi. Parce qu'on est, putain, il y a un téléphone qui sonne, il y a un machin, un truc, là, la sonnette, on est toujours pris par beaucoup de choses, les notifs, les machins, c'est se couper de toutes les notifs. Ouais. Voilà. Donc, savoir s'auto-challenger sur sa capacité à travailler et à être efficace dans son travail, et que j'ai l'impression que je monte de niveau année en année, et ça fait 12 ans, quoi. Et je me dis, putain, à quel moment et ça va de plus en plus vite dans ma manière et je m'en rends compte tout le temps. Tout le temps, je me dis, putain, mais la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai passé? Pourquoi j'ai passé 45 minutes en call? J'aurais pu en passer 25, voilà, en permanence. Bon, et après, faut aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et parfois, il y a des conversations ou des calls inutiles, et tant mieux. Ouais, ok. Tu parlais de Nantes, justement, donc effectivement, ce déménagement, pourquoi? Ça va, je pense, avec deux notions principales et qui rejoignent l'entreprise, c'est se rapprocher de la nature. On dit toujours qu'on aime se rapprocher de la nature. On dit qu'on est une marque urbaine outdoor, c'est-à-dire que on est à la fois bien pour aller se balader en ville, nos habits doivent être bien pour aller se balader en ville, et de temps en temps se faire une petite excursion en forêt, voilà, puisqu'on plante des arbres. Et du coup, c'était ça un peu la volonté, c'est de se dire, en fait, comment on peut faire les choses différemment. C'est toujours ce qu'on a un peu milité chez Faguo. Normalement, il fait beau, mais pas aujourd'hui. Et après aussi le projet personnel, de se dire en fait, on s'inscrit dans la durée dans une boîte. On a aussi des projets en parallèle. Toi, je crois que tu étais dans le nord de la France et voilà, et qu'on a des familles, on crée des familles, etc. Et quelle est la promesse qu'on a envie de tenir aussi au niveau familial? Et où est-ce que notre seul but et ça a été un peu frustrant, et je pense qu'on s'en est moins rendu compte au moment du déménagement, c'était à peu près il y a 18 mois, mais qu'on a préparé depuis au moins un an auparavant. Et c'est aussi de se dire, ouais, je serais pas. Il aurait mieux fallu que je parte à New York si je voulais être Jeff Bezos, quand on en parlait tout à l'heure, ou rester à Paris en tout cas. Et ouais, peut-être que je vais faire une croix sur certaines opportunités, sur ma manière d'accélérer, etc. Mais en fait, est-ce que c'est ça mon équilibre de vie rêvée? Est-ce que j'ai envie de ça? Et du coup, c'est de trouver ce juste équilibre qui est très individuel. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais c'est juste d'en être conscient des choix qu'on fait dans notre vie d'entrepreneur, de se dire, ouais, en fait, on a aussi envie d'avoir un équilibre de vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que sinon, je pourrais bosser et peut-être que j'aurais fait mes 15 millions si j'avais bossé tous les soirs jusqu'à 23h, que j'avais été en même temps vendeur en boutique dès qu'il y avait une boutique de fermée. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est cet équilibre et c'est pour ça qu'on est venu à Nantes, parce qu'en fait, on avait envie de faire grandir nos familles, je pense respectivement avec Nicolas, dans un cadre de vie qui nous semblait plus correspondre à nos valeurs. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est un bon choix? C'est une longue question, etc. Par contre, on est très heureux. Non, c'est sûr que c'est un bon choix. Par contre, on a dû faire des choix difficiles pour arriver à notre objectif, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser, parce que c'est vrai que quand on parle d'entrepreneur, on imagine tout de suite celui qui ne prend jamais de temps pour lui. Et finalement, c'est vrai que si jamais on veut tenir dans la durée, il faut justement avoir et trouver ce bon équilibre, que ce soit accepté au niveau des proches, que ce soit compris aussi. C'est un challenge, un défi, notamment pour la personne avec qui on peut vivre et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est important de trouver vraiment son équilibre et de faire ses choix en pleine conscience par rapport à ça. Ouais. Ouais, et qu'on en voit beaucoup trop. Ouais, quoi. Et cette vie familiale, il ne faut pas mettre sa vie perso en danger, quoi. Ouais, complètement, ouais. Une dernière question, puisqu'on arrive déjà au bout. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans? Va plus vite dans tes choix. Déménage à Nantes. Non, mais pour de vrai, en fait, on a, par exemple, c'est un choix, on a mis trop de temps, quoi. Voilà, mais va plus vite dans tes choix. Va plus vite dans tes choix, avance plus vite, dépasse-toi, profite, quoi. Je parlais d'efficacité, mais putain, je suis sidéré de mon efficacité. Je mettais bien trop de temps pour chaque chose. Pas beaucoup de regrets, hein. Prends ton temps de l'apprentissage. J'ai pas beaucoup, parce que souvent cette question-là, si je me disais il y a 10 ans, ça serait un peu une forme de regret, quoi. Mais je crois pas, en fait. J'étais trop content des étapes par lesquelles je suis passé. J'ai appris plein de choses. Ce temps-là, il était important pour moi. Je sais pas comment font les mecs qui passent de 0 à 500 collaborateurs en un an, quoi. Ok, bon bah Fred, un grand merci en tout cas pour ton temps, pour tous tes conseils, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup Jacques, à bientôt à tous. Merci de votre écoute.